Sekiro X, on se retrouve pour cette fois-ci non pas The Assignment mais The Consequence. L'histoire de Julie Kidman se poursuit, sa mission et son esprit rebelle l'entraînent plus profondément dans le cauchemar du monde de Rubik. C'est parti. Voyons voir de quoi il s'agit. Écoutez attentivement les bruits et les indices sonores lorsque vous êtes entouré d'ennemis. The Consequence. On va mettre la luminosité à fond, hein, je pense que c'est mieux. Bon, c'est vrai que je vais quand même l'augmenter parce que j'ai quand même une télé. Ça reste à 50. Mettre à. Oui, 70, voilà. Souhaitez-vous importer les documents d'archives obtenus dans The Assignment, les dossiers personnels, documents de recherche et être déchirés proviennent de la sauvegarde de votre profil? Bah écoute, pourquoi pas? Importation en cours. Vous pouvez consulter les documents d'archives importés depuis le menu pause. Cool. Swag de poule. Vous pouvez lancer autant de bâtons lumineux que vous le souhaitez, mais seuls 3 d'entre eux ressortiront allumés. Wait. Des bâtons lumineux? Peut-être un nouvel item. Là, on va se retrouver avec un minigun, on va tirer sur tout ce qui bouge, voilà. Alors du coup, on était poursuivi par notre patron qui s'était transformé en ombre et qui était finalement un gros connard, a priori. Êtes-vous hanté par vos secrets? Êtes-vous hanté par Vous vos voulez les anciens, par vos révéler? Il y a secrets? quelque chose que j'en apprends. Peut-être. Revenez, Kid. Vous avez une mission. Non! Arrêtez! Laissez-moi tranquille! Et on va reprendre dès que la porte s'ouvre. C'est obligé. Je suis revenue. Je ne pense pas. Quoique. Bon, alors si le chapitre s'appelle Illusion déjà. Il n'y a personne à la porte. Tiens donc, moi je sais. On est réveillé. Hey, vous, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Je crains de ne pouvoir vous répondre. C'est une blague. Oh, quelle perte de temps. Ce garçon. Grâce à lui, nous pourrons tout changer. Je vous le ramènerai. Vous savez que l'échec n'est pas une option. Je sais, mais si Ruvik part avec lui, il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Mais qu'est-ce t'en sais que Ruvik est finalement un danger? T'en sais rien, laisse-le se libérer. Libéré, délivré. J'adore ce changement d'ambiance, n'empêche. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez fait du petit chat? La société se meurt. Les gens souffrent. Ils ont perdu espoir. Tout comme vous, avant que nous ne vous sauvions. Mobius peut maintenant sauver les autres. Le STEM est une machine conçue pour relier le subconscient des individus. Et quiconque se trouve en son cœur a le pouvoir de les influencer.
Il n'existe pas de meilleur outil pour changer le monde et mener les hommes. Quelqu'un doit veiller sur la société, et Mobius endossera son rôle. Nous conduirons la prochaine évolution de l'humanité. Et d'où tu te permets de péter plus haut que ton cul et de décider ça tout seul? Alors il doit y avoir un moyen de d'abîmer ce mur un peu plus. Tiens donc une lumière rouge. Est-ce que vous avez la moindre idée de comment fonctionne ce monde? La haine. La haine. La haine de Rubik. Il est consumé par la haine. Il est dingue. Il cherche à se venger. Il veut récupérer ce qu'on lui aurait pris. C'était qui? Comment il connaît Rubik? Malgré nos puissants bienfaiteurs, nos recherches ne tarderont pas à être révélées au grand jour si les dommages collatéraux continuent de s'accumuler. La police nous a envoyé un agent, une femme, dont je n'ai pas retenu le nom. Dans tous les cas, je ne veux pas que les autorités s'intéressent à moi. Kidman. Mobius dit qu'ils s'en occuperont. Ils veilleront à ce que la police ne se mêle pas de nos affaires. Il y a aussi ce journaliste du Crimson Post, Ivan, quelque chose. Cet homme est devenu une vraie plaie. Il vaut à peine mieux qu'un journaliste people avec ses histoires à dormir debout sur des sacrifices religieux et autres balivernes. Mais maintenant, s'intéresse aux rumeurs de patients disparus. Pas question de le laisser nuire à nos recherches. Ruben pourrait m'être utile pour résoudre des problèmes d'un autre genre. Je devrais proposer un entretien exclusif à ce journaliste. Ah ah. Mon petit homme me dit que ce journaliste ne reviendra pas en vie. Encore ici, il doit l'être aussi. Un joli dessin. Et enfin, ici, ça va être la chambre de Sébastien Castellanos. Ça, c'était quand il est dans l'ascenseur, juste après avoir libéré la fille. Enfin, tué, pardon. Merde, il a pas été mêlé à tout ça. Je crois que c'est trop tard, et je crois même qu'il va bien t'aider. Oh. Où qu'il est le code? Il est là. 692. Alors attends. J'ai dit 692. Dans quel ordre? 6 tout en haut, 9 au milieu, 2 en bas. Alors ici c'est 9. Ici c'est 6. Ah non, ici c'est 2. Et en haut c'est 6. Ça c'est pas trop compliqué. Putain, on va encore trouver des nouveaux morceaux de lettres. Fuck. Mobius. Quelque chose m'y ramène irrémédiablement.
Ouverture des portes. J'ai quelque chose pour vous. Merde, tu pouvais pas le dire avant. Bien qu'il soit théoriquement possible qu'un hôte prenne le dessus sur un utilisateur, les chances de compatibilité sont infinies. Mais le garçon, Leslie, vous dites que c'est un sujet compatible. Oui. Et d'après Ruben, le STEM devrait fonctionner si Leslie devient sa source. Vous allez faire des tests. Déterminer ce qu'il faut faire pour qu'il ne soit plus qu'une page vierge. Il savait. Il savait de quoi Leslie était capable. Bon sang, pourquoi ils m'ont caché ça? Tiens donc, ça me rappelle un endroit ici. La dernière fois que j'étais dans ce genre d'endroit, il y avait eu une femme avec un lampadaire. On avait un terminal STEM ici, au dernier sous-sol. Ouais, enfin, est-ce que t'as vraiment envie d'y retourner? Ça a l'air menaçant en fait. Si Leslie est aussi dans le coin, il s'y est probablement rendu. Et ça pourrait être ma porte de sortie. Le problème, c'est que du coup, dans ce genre de, comment dire, d'environnement, il faut fouiller absolument tout partout pour obtenir tous les petits extras entre guillemets, parce que du coup, comme on avait vu dans le, je crois que c'était dans l'épisode précédent, du coup, de The Assignment, on avait eu un espèce de petit escargot qui nous a donné une figurine. Impossible de passer sans électricité. Je dois remettre le courant. Cette sauvegarde qui te nargue. Alors, ça fait un gros truc dégueulasse. Je crois que c'est à cause de la luminosité en fait. Je n'aurais pas dû l'augmenter autant en fait. Parce que là en fait je vois comme en plein jour mais en marron. Dégueulasse. Bref, vous ne voyez pas ça je crois parce que je regarde le rendu sur l'HDPVR, ça rend bien. Bref. Faut que j'allume le courant, faut pas que j'aille à 3000 km, merde. Oh. Des bâtons lumineux? C'est toujours mieux que rien. Ouais. J'ai comme un mauvais pressentiment. Non mais ça je m'en doutais hein. Hop.
Je vous jure que si je croise un mec, je vais... Ah. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Non mais waouh quoi, j'ai juste envie de dire mais waouh. Il doit bien y avoir un moyen de remettre l'électricité. Ouais, j'espère, parce que là, putain, s'il faut faire tout le jeu comme ça va vraiment pas le faire. Alors, quand même, je dis ça, mais en fait, mention spéciale pour, on va dire, l'idée artistique, pour la simple et bonne raison que, du coup, ça nous oblige énormément à jouer sur le son, parce que finalement, les ennemis ne nous repèrent pas, mais on les entend. Du coup, il suffit de se diriger par rapport au son que eux, ils font. Alors même si on n'y voit que dalle. Le courant, s'il vous plaît. Tâtonner dans l'obscurité. Regardez ça. Non mais regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique ça. Le jeu nous a fait croire tout au long comme quoi il y avait des ennemis et tout et qu'on passait à côté. Mais non, 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 les ennemis en fait c'était... Enfin je sais pas, mais ils étaient sûrement en haut, ils faisaient du bruit et maintenant il n'y en a plus. Ah là là ce jeu. Voilà, c'est franchement... Je sais pas comment dire, c'est que c'est vraiment incroyable de pouvoir de voir ça dans un jeu, je veux dire dans le sens qu'on attendait ça avec impatience, que ce soit même sur Alien Isolation. Est-ce que c'est vraiment apparu finalement? Selon moi, ce serait un piège. Bon, là au moins on y voit comme en plein jour.
D'ailleurs, oui, on peut jeter ces bâtons lumineux, mais du coup, par rapport à ce qu'on a lu tout à l'heure, je crois qu'on a un total de. On peut les jeter que 3 fois. Oh non, 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 mais non, mais non, mais nique. La meuf qui te repère grâce à ses talents de super ninja. Oh merde. Un, c'est pas assez drôle, fallait qu'il y en ait deux. Non, mais non, mais. Le mec qui bug et qui va ce qui va me faire repérer, quoi. Fait un peu du moonwalk. Ici, t'es allé voir ailleurs. Cet endroit sert qu'à se planquer. Alors, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que si on n'a plus de lampe torche, comment on va pouvoir faire pour les énigmes entre autres, enfin on va dire les ouvrir les portes, etc. Il va bien y avoir un moyen de récupérer la lampe torche, une connerie du genre. On va retomber dessus comme par hasard. Le couloir de 14 km. Les systèmes ont été arrêtés de manière incorrecte. Chaque terminal nécessite une restauration manuelle. Merci de patienter. C'est pas le moment de me faire attendre. Et
Et c'est ainsi que nous nous retrouvons à la prochaine sauvegarde de The Evil Within The Consequence. Ce qui veut dire qu'on se retrouve très prochainement pour la suite de l'aventure de Kidman sur The Evil Within. Donc d'ailleurs, ouais, mode survie, à mon avis, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'il faut d'abord finir le jeu une fois avant de débloquer l'espèce d'autres modes de jeu. On verra bien de quoi il s'agit plus tard. Bref, je vous dis à la prochaine tout le monde, après que j'ai fini de caresser ma chatte. Oui, j'aurais pas dû dire ça, bref, c'est pas grave. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.